qu'on qui est capable ensemble avec vous là. Ah ouais, c'est potager capable ensemble avec vous. Donc nous tournons encore pour l'autre vidéo. En fait, gorge pas tellement. Pas tellement en forme, mais la vidéo que nous allons parler aujourd'hui, nous allons parler de la Christophile. Donc, en fait, il y a plusieurs noms, ça va dépendre des régions que vous y a. Donc, il y aurait le chayotte, il y aurait le chouchou, il y aurait le, en fait, courgette d'hiver. Et pour ça, il y aurait le courgette d'hiver, c'est parce que en fait, il va arriver dans le mois d'octobre-novembre. Donc, c'est là ça. Donc, toute courgette qui est fin ramassée dans le jardin ou dans le potager. Donc, c'est là ça. Tout. Christophine ou les charottes, ça va dépendre de qui j'en ai là. C'est là ça. Lui-même, il commence à le donner. Donc, c'est là ça. Et on va commencer à le manger ou bien consommer. Donc, fruits, ça, mais légumes, ça. Donc, c'est ça qui fait, il y aurait les courgettes d'hiver. Et, fait trop parler. Voilà. Mais à qui ça que lui semblait. Donc, il m'a vraiment avancé pour capable de bien. Donc, je vais mettre maintenant un pot qui n'est pas vraiment et vraiment gros. Si ça fait des bras vraiment et il était vraiment important pour capable de mettre en pleine terre. Et surtout, nous en avril. Ok, donc nous en avril, c'est le moment pour capable de mettre, commencer par mettre et culture des théos et en pleine terre, pas bon ici. Ok, mais souvent en France, capable de toujours parce que coup de gel capable toujours arriver et nous croyons qu'il a annoncé coup de gel en France tout ça yo. Donc culture de théo alors a passé oui, ça fait moi t'es obligé pour une petite pause et bon si on en France donc on capable de tant toujours pour planter culture ça et parce que il y a un coup de gel qui a annoncé donc que culture de théo donc il est capable toujours été dans serre à protéger et de coup de gel, donc nous même pas bon ici dans une région tropicale, nous pas vraiment gagner et situation ça. Je dis à la nouvelle et planter la Christophine ou bien chayotte chouchou, ça va dépendre de j'ai encore capable de l'île. Donc, culture ça, on va laisser parler un petit crash de lit pour capable faire connaissance plus avec lui. Et c'est en culture de la famille et des cucurbitacées. Alors, moi j'aime toujours et c'était famille pour qui ça, pour capable comme comme capable associer donc. Il est important pour capable prendre famille donc moi pas de souvent de cucurbitacées pas bon ici et nous pas faire un peu parler de cucurbitacées mais juste voulais faut connaître que et culture ça donc et plante ça c'est un et cucurbitacées donc c'est une plante grimpante une plante tropicale et c'est une plante vivace donc il est capable supplanter lui il est capable vivre 4 à 5 ans ok donc ça va dépendre de qui tel lié donc c'est une plante capable de dire qui est vraiment gourmande ok demander un pile et fumier compost donc c'est une plante grimpante même j'ai avec concombre donc concombre tout qui fait partie de la famille des cucurbitacées et tout donc il va besoin pour capable faire carbone c'est une plante qui est comestible donc toute partie plante vraiment comestible et bourgeois yo mange le qui ont un petit goût roquette et racine yo mange le qui ont un petit goût patate douce toute partie plante là il veut commencer dans légumes dans la baie là et pour capable manger qui vraiment comestible toute partie au capable d'utiliser pour capable manger donc rapidement mettez-le en pleine terre pour nous capable planter ok mes amis donc c'est là que nous allons mettre Christophine, non? Nous allons mettre milieu ton, hein? Donc, après, bon paille. Et ça, c'est un petit oignon. Ça, c'est un oignon. Oignon jaune. Donc, je pense que ma fonfa, ça va pas craser. En fait, oui, c'est là que nous allons mettre Christophine, non? Après que nous t'ai paillé, alors toute parcelle nous avons toujours paillé pour nous capable de conserver l'humidité qui est dans le sol là pour ne pas l'empêcher de temps en temps. Ok, et moi même je vais tout corps vu ça donc m'a pédé rouser donc il est important de nous capable pailler faut qu'on capable et qu'il y a un soleil qui est vraiment énorme et côté qui m'a hier donc paillage là est vraiment important donc on a dépaillé la façon pour nous écarter paillé. Donc voilà mes amis, donc je trouve le nécessaire pour nous montrer ça. Donc une terre qui est riche, une terre qui est bien et amendée. Donc on n'est pas capable de jouer
Zami ça ou pas capable jeune belle bête ça qui c'est vers de terre donc c'est lui même qui mélange matière organique qui dans terre et matière organique que va mettre dans terre et puis matière minérale qui déjà dans terre donc c'est lui même qui va mélanger tout ça et puis qui capable et qu'embêter terre capable et fertiliser terre encore plus donc c'est vraiment important donc on besoin moi je dans pile vers de terre là donc c'est important une terre qui est vraiment vraiment riche qui ont été amendés pendant plusieurs mois donc qui va bien recevoir Christophine donc on va jeune vers de terre là donc OK mes amis donc on va le retirer plante là on va retirer plante là dans pot ça en fait qui pas facile non parce que et c'est sûr que racine est vraiment vraiment et dans tout corps pour OK. C'est une plante qui vraiment bon système racinaire, qui vraiment vraiment gourmande. Donc c'est sûr qu'il va chercher, et manger dans terre, il va chercher manger dans toute corpora. C'est sûr qu'il est pas facile pour nous. On va aller pour nous comment que nous va faire ça. Voilà mes amis, ok. Donc avec toute racine, mais qui grand racine qui casse, mais c'est pas un problème. Rapidement qu'il brasse une terre, il va commencer à faire l'autre racine qui va vraiment développer plante là, ok. Ok. Donc moi fin déposer lui et qu'on y a là, moi bral et mettez. Et compost, ok, qui m'ont été fait. Donc c'est moi-même qui fais propre compost, moi. Donc nous allons ajouter compost et après ça, qu'on a ajouté fumier que nous avons acheté. Ajouter fumier qui m'ont été acheté, ok. C'est pas un grain, non, mes amis. Ok, il y a une différence entre engrais et fumier. Donc moi bien paillé li encore même j'aime des jeunes au commencement donc moi bien paillé li OK pour capable et conserver humidité qui vient dans sol. Donc on est allé en pleine terre racine pour chercher et l'autre élément est nutritif dans sol là pour être capable de bien développer. C'est deuxième Christophine que nous t'ai planté un mois de mars là donc cap bien développé voilà. OK donc mes amis Christophine est déjà dans terre donc on va aller suivre pendant toute la période d'été OK pour nous mois de novembre qui va commencer par donner va commencer par bail et légumes. C'est pas ma fleur, mais ça va dépendre du développement. Côté quoi d'en évoluer, c'est sûr que côté que l'IA est vraiment, vraiment bien installé parce que on mettait compost, on mettait fumier, on mettait toute matière et organique et on pensait que c'est bon pour lui, il est capable de bien développer. Et surtout, c'est un peu plus vraiment gourmand. Donc ça fait les vraiment important pour te mettre et te mettre donc amendement ça, toujours. Et Mando pour capable à suivre nous sur Facebook et chaque jour qu'il nous poste un bagage différent et nous pensons que parfois bien aussi. Cette vidéo ça compte de côté pour vous. Si toutefois vous avez aimé, bah, merci pour cette en l'air et pour vous supporter nous. Et on se dit à la prochaine pour notre vidéo. Okay? Et puis, bye.
Thank you.